Je vous cacherai pas. J'ai raconté mes films préférés. Puis j'étais allé dans l'ordre, j'ai nommé Alien en premier, j'ai nommé True Romance en deuxième. Non, j'ai nommé The Dark Knight en deuxième, True Romance en quatrième, et j'ai nommé Fight Club en cinquième. Puis j'ai décrit pourquoi que j'appréciais ces films-là pendant que le lavage allait. J'ai aussi parlé de livres à un moment donné, j'ai parlé de musique. Mais pourquoi tu parles tant que ça aux personnes qui t'écoutent? Ben, quelque part. C'est eux autres qui m'immunisent, puis c'est eux autres qui me sauvent des ballotages. Ok, puis tu penses que ça va te sauver des jeux? Ça va te sauver du jeu et des ballotages de dire au monde ce que t'aimes dans la vie? Peut-être pas. S'ils sont pas intéressés, ils vont fermer les écrans, puis ils vont dire Seb est donc bien plate. Je pense pas que ton Seb Show, il est à propos de ce que t'aimes, toi. Ouais, il peut l'être. J'ai parlé à ma blonde l'autre jour. Et? Seb. Non, mais c'est vrai. Mais je te compte pas de bullshit, là. Tu sais, quand t'arrives puis tu peux parler, là, tu peux parler d'un paquet d'affaires. Est-ce que j'arrive pas puis je fais comme, hey, mon Dieu, telle affaire me dérange ou puis je fais quelque chose? Ouais, peut-être, absolument. Et, tu sais, moi, je te l'ai dit bien sincèrement, tu sais, pour moi, je vois pas gagner ce jeu-là tout seul. Et moi, j'ai la conception qu'actuellement, même si, peu importe ce que je fais, je vais être le premier éliminé si je suis pas immunisé à l'interne. OK, mettons, prenons un scénario, OK? Moi et Priscilla, on n'est pas immunisés. Tu vas me faire croire que votre... Je ne ferais pas croire quoi que ce soit. Non, non, mais tu l'as supposé que... Mais ça marche pas comme ça. Si. Personne qui nous dérange ou quoi que ce soit. Oui, on te trouve bizarre. Oui, on sait que tu complètes des trucs pendant la nuit. Peut-être que je complète rien. Mais t'es pas la personne qui nous énerve. Comment? Ouais, mais il y a ça du monde pas... qu'on a vraiment de la difficulté avec qui vivre ou quoi que ce soit. Ouais, mais ça fera pas en sorte que moi, je vais survivre un balatage pareil. Je comprends ce que tu veux dire, Sam. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Mais je veux que tu entendes ce que tu dis, que je dis aussi. OK. T'as pas l'air à entendre ce que je dis. Ouais, mais d'un autre côté, écoute, mettons... Regarde, on est-tu dans un jeu? C'est sûr que même... Si vous, vous êtes tous éliminés, nous, il va falloir qu'on s'élimine entre nous ou vice-versa. Fait que c'est sûr, à un moment donné, il va tout falloir s'éliminer. Il n'y peut en rester juste mais... Donc, mais j'aime ça. Pourquoi tu coches pas? Pourquoi tu parles pendant la nuit? Je comprends pas tes trucs. Ben, durant le jour, de toute façon, est-ce qu'il y a... Au pire, là, dans le jour, là, tu parles aux confesses, tu peux dire tes affaires. Absolument. Pourquoi tu restes pendant la nuit? Ben c'est pour ça que... Trucs, je sais pas. Si j'ai vraiment quoi à dire, je peux le dire à n'importe quel jour. Fait que je vois... Mais à quelle heure du jour? La raison principale, le jour... Écoute, c'est dommage, là. Mais moi, parler coiffure, maquillage, cutex ou vêtements, là, ça m'intéresse. Je peux te dire quelque chose? Vas-y. La majorité des conversations qu'on a autour des gens qu'on... auxquels on n'a pas confiance sont vraiment vagues comme ceux que tu viens de juste te dire. Parce qu'on leur fait pas confiance. Mais OK. Okay, mais les personnes avec qui on a confiance, les personnes avec qui on va avoir des conversations un petit peu plus intelligentes, que du cutex puis du lip gloss, puis que c'est vraiment pas juste ça qu'on va parler, c'est les personnes à qui, justement, on fait confiance. Puis ces conversations-là, on les a entre personnes avec qui on sait qu'ils vont nous protéger jusqu'à la fin. Aussitôt qu'il y a une personne à qui on ne fait pas confiance, à ce moment-là, on n'aura pas les conversations intelligentes. Mais si... Puis des fois, oui, on peut jouer la naïve. Toi, tu pensais que j'étais naïve. Arcadio pense que je suis naïve. Il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis naïve. En quoi que j'ai pu croire que tu étais naïve? N'importe quoi. Justement, les conversations que vous entendez quand vous êtes tout autour, puis dans le fond, que c'est pas les vraies conversations qu'on se dit quand vous êtes vraiment pas là. Non, mais c'est correct. Mais je comprends ça. Mais moi, je suis dans une situation que peu importe ce que je vais faire, on n'aura pas confiance en moi. De vous dire, oui, la confiance, ça gagne. Okay, mais ça, ben, est-ce que tu penses qu'en restant toute la nuit debout, puis en faisant... Tu sais, même ton équipe, elle est comme, OK, qu'est-ce qu'il fait debout toute la journée? Tu penses pas qu'il te doute pendant la nuit? Est-ce que tu penses que tu t'aides vraiment?